Donc nous sommes à Roidemont, été 2015, et nous avons Amélie qui nettoie le bassin. Amélie, qu'est-ce que tu... comment comptes-tu t'y prendre ? Alors, tout d'abord, je nettoie le bord du bassin grâce à une brosse pour pouvoir ensuite y mettre de l'enduit. Mais il faut nettoyer avant de mettre l'enduit et les lessives retirent l'eau du bassin pour qu'on puisse nettoyer également l'intérieur du bassin et mettre de l'enduit aussi dans le bassin. Voilà. Ok. Alors, nous avons Jeanne là. Donc, Jeanne, toi, tu... J'enlève les plantes autour du bassin pour pouvoir nettoyer le bord du bassin. Oui. Et les trous avec l'enduit. D'accord. Et la troisième travailleuse, c'est Marguerite Marie qui, elle, écope. Donc, elle écope, on va la suivre. Elle va vers la chapelle et elle arrose le futur massif de fleurs. Une bassine pour t'aider. Alors là, nous arrivons dans un moment crucial. On essaye d'attraper les petits poissons alors que le bassin est presque... Et là, Amélie a échoué. Je pense... C'est pas facile. Ils sont rapides. Bon, on va vider encore beaucoup. Ouais, hein. Je pense. Oh, il est vraiment grand. Hop, avec le sac. Ouais, ça, je vais sortir. Tant pis. Il est. Ouais, celui-là, il est trop beau. Bon, alors celui-là, oui, il boufferait ton poisson encore oui. Plus. Oh, ouais. Mon poisson fait la moquette. Oh, ils sont magnifiques. Voilà, eh bien je suis très content parce que mes trois ouvrières ont travaillé comme des chefs. Regardez cette eau turquoise. On voit maintenant, tout au fond, ils sont cachés. Je ne vois pas les poissons. Mais peut-être que la caméra pourra en voir. Ah, les voilà, ils sont là. Voilà, excellent travail.